Hello les maps, ici Lucille T. Et là, je me dis que en fait, il va falloir que certainement que j'investisse dans une perche à selfie. Parce que vraiment, la vidéo, j'aime ça. Et je pense que ça va être vraiment mon moyen de communication principal, même si l'écrit, c'est intéressant aussi. Mais la vidéo, ouais, je kiffe trop, quoi, en fait. Ouais, mais je suis trop contente d'être là derrière mon écran et que tu puisses me voir aussi et que je puisse partager quoi en fait. Je trouve ça vraiment top. Alors aujourd'hui, alors j'ai fait une vidéo sur comment devenir cette femme magnétique, authentique et pétillante. Et je me suis dit mais mince, parce que j'ai oublié de parler de la gratitude. Mais en fait, c'est tellement un truc qui est en moi, la gratitude. Et c'est tellement un truc évident, naturel que j'oublie d'en parler. Toi, c'est ouais, en fait, c'est souvent comme ça en fait. Donc, si tu veux, voilà, devenir magnétique, authentique et pétillante. Alors, pétillante, c'est vraiment l'effet. Hein, c'est t'es magnétique, t'es authentique. Généralement, t'es pas morne comme ça, tout éteinte ou quoi. Non, t'es forcément dans la vie. T'es forcément jump, jump, jump. Et tu pétilles, quoi, comme je te dis, comme petite bulle de champagne, et t'es dans ta coupe. Voilà, c'est dans ta coupe, parce que moi je préfère la coupe aux flûtes, parce que toi c'est plus élargi et tout, enfin toi je trouve ça plus sympa. Et puis toi t'as la petite bulle et tout, qui monte à la surface de ta coupe de champagne et tout, puis tu bois ton champagne, t'imagines, la petite bulle dans son petit liquide, toi, comme le poisson dans sa mère, dans une coupe de champagne en cristal, quoi, toi, enfin bref, je suis en plein. Et bref, et donc je disais, la gratitude, ça veut dire, c'est quoi la gratitude? C'est dire juste merci, merci à la vie. Merci de pouvoir respirer avec mes deux poumons, d'avoir mes deux jambes, d'être en vie, d'être en forme. Merci, c'est tout simplement dire merci. Merci à ses parents d'être là sur Terre, parce que, en tout cas, bon, moi je suis super heureuse d'être sur Terre. Et donc, je les remercie, mes parents. Je les remercie de m'avoir donné la vie, tu vois, même si ça n'a pas toujours été facile tous les jours. Parce que, voilà, mais parce que c'était mon chemin de vie. Mais je leur dis merci. Merci d'avoir été ce qu'ils ont été, qui m'ont permis d'être qui je suis, tout simplement. Toi, et c'est ça en fait. Et une fois, je parlais avec quelqu'un, je disais, ouais, mais en fait, toi, la gratitude, c'est super important de dire merci, toi, d'avoir des oreilles qui sont en bon fonctionnement. Et le gars, il me dit, ouais, mais en fait, c'est normal. En fait, ouais, c'est normal jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que tu es sourd et que tu n'entends plus rien. Et là, tu diras, oh merde, en fait, ouais, c'est super cool hein, de pouvoir entendre. Alors, merci mes oreilles de pouvoir entendre, quoi, en fait. Merci mes oreilles de pouvoir m'alerter quand il y a un danger qui arrive. Toi, en fait, il y a des choses comme ça qu'on croirait normales, acquises. Mais en fait, non. Et souvent, on attend d'être dans la merde, on attend d'avoir un accident, on attend d'être au plus bas pour se rendre compte de la chance qu'on avait. Et pour se rendre compte que juste dire merci, merci, voilà. Et c'est ça la gratitude. La gratitude, c'est juste de dire merci. Merci à la vie, merci comme je disais aux parents, merci à son corps, merci à sa tête, merci au connard de voisin là, parce que moi j'ai un voisin là, il m'a saoulé. Bref. Et en même temps, il m'a permis de prendre conscience d'un truc. Tu vois? De conscientiser que lorsque j'avais un objectif en tête, attends, moi je lâchais pas quoi et j'y allais. Je pouvais même me mettre en danger. Mais j'avais un objectif, il fallait que je l'atteigne. Et ben voilà, et ben ce connard de voisin, il m'a permis de conscientiser ça, de vraiment de le réaliser. Et je lui dis merci. Merci de m'avoir fait une remarque à la con, tu vois. Et ben voilà. Parce que voilà, c'est de se dire après, il m'arrive aussi un truc pourri. Et c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est il m'arrive un truc pourri dans ma vie. Comment je peux voir l'opportunité de ce truc pourri qui m'arrive dans la vie et lui dire merci à ce truc pourri? Tu vois? Parce que moi, dans ma vie, il m'en est arrivé des trucs pourris. Et ben voilà, bon, là, il y a une voiture qui passe, c'est pas grave. Et ben je dis merci. C'est tout. Et c'est ça, en fait,
qui va te rendre plus fort, qui va te permettre d'aller plus haut, qui va te permettre de traverser les épreuves. Parce que moi, ce que je dis, hein, si, sur Terre, c'est pas le paradis. Hein. Donc, c'est pas tout il est beau, tout il est rose, les oiseaux chantent, et l'eau, et le feu ça brûle, et l'eau ça mouille, hein, et les oiseaux volent dans le ciel. Même si c'est ça, on n'est pas dans un monde idéal. Si on était dans un monde idéal, on serait au paradis. Mais là, on est sur Terre, d'accord ? Donc, on va tous traverser des trucs pourris dans notre vie, un jour ou un autre. On l'a déjà peut-être traversé, mais c'est notre force qui va nous permettre de les traverser tranquillement. Toi, ça te glisse sur toi ou pas. Et puis, c'est aussi de savoir dire merci à cet événement, parce qu'on aura compris ce qui nous aura apporté cet événement dans notre vie. Ah ouais, moi, je te dis le voisin, mais ce truc pourri qui m'a sorti, quoi, en fait. Mais je lui dis, mais la prochaine fois que je le vois, je lui mets un chat dans le cul, quoi. Non, je suis énervée. Mais sérieux. Mais en même temps, je lui dis merci. Parce que, mais vraiment, mais putain, quand je suis, tu sais, soldat Ryan, tu sais. Soldat Ryan, il a un objectif à atteindre. J'avais une mission, quoi. Et en même temps, je sais, maintenant, j'ai compris que, voilà, j'ai une mission. Quand j'ai un objectif, je vais jusqu'au bout, quitte peut-être à me mettre en danger. Et deuxième chose aussi, parce que comme je l'ai dit, moi c'est la psychogénéalogie, c'est que j'ai compris pourquoi, quand j'avais un objectif, je m'interdisais de pas y arriver, tout simplement. Alors ça, je raconterai plus tard, ça c'est lié à mon histoire personnelle, issue de l'esclavagisme. Mais ça sera pour plus tard, voilà. C'est juste toi, la psychogénéalogie, ça te permet de comprendre. Et après, oh, t'es détaché, tu leur dis merci mes ancêtres. Et 14 générations, 350 ans, la psychogénéalogie, 1 million de personnes. Alors gratitude pour eux, 1 million de personnes, et toi t'es aujourd'hui sur Terre, là, maintenant, à regarder cette vidéo. Alors gratitude pour tous tes ascendants. Ça aussi, tu peux leur dire merci. Grâce à eux. T'es là sur Terre. Merci. Merci pour ça, quoi, en fait. C'est juste, voilà, la gratitude, le pouvoir de la gratitude. Savoir dire merci, tout simplement. D'abord, un petit conseil. Va voir ton père, va voir ta mère et dis-leur merci. Reviens vers moi si t'arrives pas, je t'aiderai. Allez, pour plus d'infos, clique sur sous la vidéo pour me contacter, il y a tout ce qu'il faut. Je vais mettre aussi, j'ai fait une masterclass, je vais la mettre en ligne, je vais te mettre le lien et tu vas pouvoir y aller. Allez, ciao ciao, belle journée à toi, voilà map.